Comment devenir maire? Comme le disait Aristote, avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si j'ai un conseil d'amis à vous donner, c'est de ne pas devenir maire. Car c'est sans aucun doute le mandat électoral le plus difficile et le plus dangereux de la politique française. Dangereux, oui, puisque le maire est le seul élu à être pénalement responsable de ses actes. Aucun président n'ira en prison pour avoir pris de mauvaises décisions, alors qu'un maire, oui. Et difficile, parce que c'est le plus vieux mandat de l'histoire de la politique. Le mot « politique » lui-même vient du grec « polis », la cité. La politique, à l'origine, c'est donc l'organisation de la cité, et le maire est l'héritier direct de la démocratie d'Aristote. Pour devenir maire de votre ville, vous devrez avoir au moins 21 ans et être élu par le conseil municipal, lui-même élu par les citoyens. Il vous faudra donc avoir assez d'amis pour créer une liste et faire en sorte qu'elle obtienne plus de 50% des suffrages en vous faisant ami avec un maximum de gens. Vous devenez alors officier d'état civil, officier de police judiciaire, responsable de la sécurité civile, chargé de mission délégué par l'État, chef de l'administration communale, ambassadeur de la commune. Bref, vous êtes le roi de la cité. Côté financier, ça dépend du nombre d'habitants de la commune. Comptez quand même 5 354,99 € pour une ville de plus de 100 000 habitants et seulement 627,83 € pour un village de moins de 500 âmes. Mais en ce qui concerne les frais, vous êtes quasiment libre de fixer votre budget, du moment qu'il est approuvé par vos amis du conseil municipal. Mais c'est là que les problèmes commencent. D'abord, comme vous ne pouvez pas tout faire tout seul, vous choisissez des adjoints parmi le conseil municipal. Mais seulement ceux-là seront payés. Autrement dit, vous allez en perdre plein, des amis. Ensuite, vous avez seulement 6 ans pour réaliser vos promesses. Oui, ça a l'air de rien comme ça. Mais si un président de la République peut se permettre de raconter n'importe quoi pour être élu, vous, vous avez dû promettre des choses aux gens que vous croisez tous les jours. Votre facteur, votre boulanger, les jeunes du quartier, les vieux du quartier, et tous ces amis vous connaissent. Pire, ils savent où vous habitez et ont les moyens juridiques de vous pourrir la vie. Et si après votre mandat, vous avez encore quelques amis, que vos concitoyens ne vous jettent pas des cailloux et que vous n'êtes pas en prison, c'est que vous vous en serez bien sorti. Le plus souvent, en ayant cessé d'être l'ami de tout le monde et en devenant simplement un bon maire qui a su servir sa cité. Alors vous aurez compris que c'est Aristote qui avait raison et que le maire n'est pas l'ami des citoyens mais leur chef et qu'il se doit d'être le symbole de la probité et de l'honnêteté, le représentant de la ville. D'ailleurs, si le maire est la fonction la plus difficile, c'est aussi la plus aimée des Français. Alors, pourquoi pas vous ?